bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12 de Final Curse, l'épisode où j'ai dû tout refaire à la main. Je vous explique. Donc, j'ai entraîné tout le monde niveau 30, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que depuis 18-1, depuis le début que je fais des vidéos commentées, après chaque épisode, je fais un save state. Donc, je sauvegarde, des fois j'oublie, mais en général, je pense presque jamais de faire un save state sur l'émulateur, au cas où l'épisode... ne va pas bien dans le sens technique du terme, le son n'est pas bon, l'image est corrompue, des choses ainsi, je peux retourner l'épisode. C'est pas dans le sens où si ce qui s'est passé ne me plaît pas dans le Nuzlocke, je reset, non. Si je faisais ça, ça n'aurait absolument aucun intérêt, mais et si je faisais ça, j'aurais pas perdu Random Scarce 2, mais c'est au cas où il y a quelque chose qui se passe mal avec l'enregistrement lui-même. Je fais un save state, donc j'ai toujours deux save states en parallèle pour avoir à chaque fois pour pouvoir revenir à chaque fois à un épisode d'avant si je veux. Parce que faire juste le save state à la fin de l'épisode, si l'enregistrement a foiré, ça sert à rien, il faut que je puisse accéder à la fin de l'épisode précédent. Donc c'est pour ça que j'ai toujours deux save states et je les écrase l'un après l'autre en alternance. Et à la fin de l'épisode 11, après avoir capturer tous ces magnifiques Pokémon, au lieu de faire un save state, j'ai fait un load state, ce qui veut dire que j'ai chargé la fin de l'épisode 10, je pense, et j'ai dû tout refaire à la main. Donc j'avais deux solutions. Quand ça vous arrive en Nuzlocke comme ça, que ce soit une perte de sauvegarde ou parce que vous avez été un abruti comme moi, vous avez deux solutions. Soit vous rejouez le jeu de la façon la plus proche qui est arrivée, vous essayez de rattraper à peu près les mêmes Pokémon, etc. S'il y a eu des morts, bah vous utilisez plus les Pokémon, tout ça. Soit vous rejouez comme si rien ne s'était passé et vous refaites un truc nouveau. Et si vous avez des morts maintenant et que vous n'en avez pas avant, tant pis pour vous. Donc voilà, c'est les deux solutions. Il fallait que j'en choisisse une. J'ai posé la question sur Twitter. Guanfrex m'a répondu, bah, s'il y a des morts, tu rejoues. Je recommence totalement l'épisode comme si il n'avait jamais existé. Et s'il n'y a pas de mort, bah je rejoue pour revenir au point où j'étais. C'est un peu la solution Penelope Gates, c'est-à-dire que je peux faire ça, rien ne m'en empêche. Mais moralement, c'est pas hyper hyper bien. Mais au final, j'ai décidé de rejouer parce que j'avais fait 5 rencontres et c'était mes premières rencontres de Nuzlocke, et refaire l'épisode pour avoir d'autres rencontres, ça me semblerait trop bizarre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le jeu, j'avais pas battu beaucoup de dresseurs, donc de toute façon j'ai battu encore le moins de dresseurs possible. Je pense que j'en ai battu peut-être un ou deux en plus parce que j'ai voulu aller vite. J'ai rattrapé les mêmes Pokémon, j'ai fait en sorte que ce soit la même espèce et que ce soit le même sexe aussi. Et après, j'ai changé leur nature et leur capacité spéciale sur Pokégen, parce que comme je suis sur émulateur, j'ai l'occasion de faire ça. Donc pour les capacités spéciales, il y a une possibilité que ça foire à certains moments, mais pour les natures, normalement, ça devrait pas foirer. Et ensuite, bah, j'ai entraîné tout le monde au niveau 30, comme on l'avait dit, et Zoxy, il est monté au niveau 31 tant qu'on y est. Alors, Henri a évolué. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune attaque qui m'intéressait à apprendre. Il y avait une attaque potentiellement intéressante en tant que Caninos qui la prenait, c'était Machouille, mais je pense que c'était niveau 41, j'avais pas envie d'attendre jusque là. Donc j'ai directement évolué en Arcanin, il sera beaucoup beaucoup plus puissant. Il a toujours Cœur Noble, je pense que c'est Cœur Noble, Justified. Et il a 78 d'attaque, ce qui est sympa. Bon, par contre, 78 d'attaque. 78 d'attaque, c'est comme Dyson. Dyson a évolué aussi, et c'était en fret très facile, donc... Je l'ai rencontré... Dans l'épisode 11, vous l'avez vu, je l'ai rencontré au niveau 26, là j'ai rencontré au niveau 24. Et techniquement, rencontré au niveau 24, c'était mieux parce qu'il avait déjà... il avait amnésie, et ça n'avait pas été encore remplacé par attrition. Mais pour rester collé correctement à l'épisode 11, j'ai remplacé... amnésie par attrition, et comme j'avais vu au centre Pokémon de Volucité, ils vendaient des baies qui augmentaient le bonheur mais réduisaient les EV, j'ai d'abord monté Dyson niveau 26 pour le faire rattraper le niveau auquel j'avais attrapé dans l'épisode 11 original, et ensuite, comme il avait la Lux Ball, il avait le Grolozen,
je suis retourné dans la tour cachée parce que apparemment, à partir de la cinquième génération, quand le Pokémon est dans la zone où il a été attrapé, les boosts de bonheur sont multipliés par 150%. Et j'ai spammé les B Tamato, je pense que j'ai. Et en 14B, il était bonheur max. Ça a été très 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 vite. Voilà, j'en ai encore 13 ici. Non, ah ben donc j'ai dû en utiliser 17 en tout cas. Si. Je sais pas pourquoi j'avais 14 en tête. Mais enfin bref, il a évolué assez rapidement. Je lui ai appris retour. Comme il est bonheur max, c'est hyper puissant. Le reste, c'est pas hyper génial comme attaque. C'est ronflement, c'est pas puissant et c'est spécial. Mais bon, ça marche un peu bien avec repos. Et grincement, parce que il y avait vraiment rien d'autre d'intéressant. Felidia est niveau 30. Je pense pas qu'elle ait appris quelque chose de spécial. Elle est toujours là. Elle est toujours pas évoluée parce que j'ai toujours pas de Covenant Or. Henry n'a pas changé de moveset non plus. Booba vol. Mais ça, je l'avais déjà mis. Et il tient toujours le mouchoir soie. Zogzé est là. Il a Damoclès. Ça vaut mieux que charge. C'est puissant, il y a du recul, mais c'est 100% de précision, pas comme Bélier. Et 120 de puissance, ça peut être sympa. Donc. Maintenant, vous allez me dire, retour sera peut-être plus puissant. D'ailleurs, il a toujours ça, et j'espère qu'un jour, il va apprendre Giga Sensu, ou au moins une attaque plante physique spéciale, justement, parce que il a une nature moins attaque, et puis un Florizarre, c'est toujours plus spécial à la base. Et il est niveau 31, parce que c'est lui, je l'ai utilisé quand j'ai voulu entraîner... Dyson et qu'il avait pas encore retour faisait pas encore assez de dégâts et il est niveau 31 à moitié vers le niveau 32 et je vais essayer de faire en sorte qu'il monte au niveau 32 parce que comme ça il est veloir en Florizarre. Sunrise je pense qu'elle a pas changé de moveset. Ah si elle avait Ampleur, elle a tunnel maintenant, elle a pris tunnel manuellement. Un attaque en deux tours dans un hack comme Voltoid 2 c'est pas toujours la meilleure chose à faire parce que l'IA est intelligente. Enfin, l'IA est élevée, parce qu'une intelligence est intelligente, ça c'est un pionnel. L'IA est élevée et donc elle a souvent des attaques de boost ou des choses ainsi pour profiter du fait que l'attaque est en deux tours. Mais en général, la puissance est supérieure puissance de tunnel est supérieure à celle d'ampleur et tunnel est plus consistant, donc c'est toujours. Avec la vive griffe parce que 50 de vitesse c'est un peu du coup. Même si vous allez me dire que Dyson aussi niveau vitesse c'est un peu plus. Donc Dyson il a bon c'est des stats de Ronflex quoi, des PV magnifiques, une attaque magnifique, une défense spéciale géniale et puis vitesse mais attaque spéciale on s'en fout et défense totalement dégueulasse et je pense que j'avais pas parlé de la nature de Dyson la dernière fois, il est doux de nature donc c'est moins défense plus attaque spé, ce qui ne sert à rien sur un Ronflex parce que l'attaque spé on s'en fout. Et que la défense, il en a déjà tellement peu de défense que là il va encore plus se faire déchirer. Ce que j'espère ne va pas arriver, évidemment. Voilà, basiquement, vous avez toutes les news, ça a pris du temps, mais comme ça c'est fait. J'espère que je ne vais pas rater cet épisode-ci parce que j'ai pas envie de devoir le redire. de redire tout ça. Oui, et aussi, en ce qui concerne là où j'ai trouvé la pierre feu, en fait, à Volucité, à la base, son Sarl, il y avait un top dresseur. C'est une top dresseur qui normalement vous donne l'eau mystique, le charbon ou le grain miracle en fonction de la réponse à sa question. En fait, elle vous demande quel starter vous avez pris, vous pouvez lui répondre n'importe quoi même si c'est faux. Et elle vous donne l'objet qui booste les attaques correspondantes dans Noir de Blanc 2 originel. Mais ici, elle donnait une pierre d'évolution, donc je lui ai même pas menti, j'ai dit que j'avais pris Grikui, ce qui était vrai, et ce qui est toujours vrai d'ailleurs, même s'il est marre, et elle m'a donné une pierre feu, et j'ai pu l'utiliser. Bon, on est toujours dans je vais revenir, but principal c'est faire tous les dresseurs que j'ai pas pu faire cette fois-ci, monter Zoxo niveau 32, qu'il évolue en Florizarre, ce qui sera magnifique. Et après bon, on pourra faire Inésia il me semble est niveau 35 donc je pense pas que je me grinderai pour elle. Ça dépend vraiment de son équipe etc. Si je le sens ou pas avec mon équipe un peu plus bas level. En vrai c'est parce que j'ai pas spécialement envie de regrinder après avoir grindé comme ça. Ah oui et aussi
petit détail marrant, ma première rencontre du désert de la science, c'était, je veux dire, Poki, c'était le même. Je veux dire, c'était un Marakashi, c'était un mâle, et il avait la bonne nature. J'ai pas dû le changer, c'était magnifique. Bon, le reste, j'ai dû changer. Et, fun fact, Negapi est à 5% sur la route 4. Ce qui fait que j'ai mis 43 milliards d'années à retrouver Negapi. Et c'était pas hyper, hyper chouette, parce que j'ai vraiment mis longtemps. En plus, j'avais Bouba en première position parce que c'est lui qui était le plus rapide, qui fuyait le plus à coup sûr. Et comme il a intimidation, bah les et qu'il était déjà niveau 30, je pense. Oui, il était déjà niveau 30. Les Pokémon avec moins 5 niveaux de moins en paraissaient moins souvent. Et les Negapi étaient niveau 24. Voilà, donc ça faisait apparaître encore moins les Negapi, mais ça faisait apparaître beaucoup la plupart des Pokémon. Il y avait peu de Pokémon niveau 25, c'est tout. Bon, désert de la sang, je vais aller me battre contre cette personne. Parce que comme ça, elle pourra me soigner sans trop de problèmes. Alors, j'ai deux Pokémon seuls pour Inizia, mais faut pas avoir confiance. Faut jamais avoir confiance. Bon, est-ce que je mets Sunrise, sachant qu'elle a pas une hyper bonne défense spéciale? Je pense que oui, parce que je pense qu'elle pourra être plus rapide et faire une play croix qui sera embargo, d'accord. Moi je m'attendais à une attaque de type psy puisque j'avais un Pokémon poison, etc. Ce qui est bien, c'est que je m'en fous totalement de la tempête de sable. Play croix est plus puissant que Tranchemi, il me semble. Hein. Play croix c'est 80, Tranchemi 70. Bayleaf. Ah, Bayleaf. C'est Macronium. Je pourrais laisser Sunrise et faire play croix. Mais c'est un Pokémon de type plante, donc je vais pas tenter le coup, je vais juste laisser Bouba voler les gens. Ne sortez pas cette phrase de ce contexte, ok? Parce que, je veux dire, le contexte est très important. Ah génial, protection. Salaud! D'ailleurs j'aurais pu faire retour. C'est d'ailleurs, si Bouba est à bonheur max, le retour est plus puissant. Waouh! Là, donc, ce magnifique Emmanuel Macronium a fait force nature qui se transformait en séisme, ce qui n'a rien fait parce que Bouba est de type bonne. Bon, t'en as combien des Pokémon là? Ok, j'ai rien dit. C'est un Levenard, quoi. Ça va. Ça va donner 40 000 expériences, je vais pas me plaindre. Voilà. Bon, ça c'est l'avantage, c'est que Trancherbe est physique, ce qui est bien contre le Vénard. Parce que le Vénard a 250 de base stats en PV, donc voilà, ça c'est assez connu. Et une très bonne défense spéciale, ce qui fait que les attaques spéciales, souvent, ça lui fait absolument rien. Par contre, comme il a 5 de bastat en défense... malheureusement, je n'ai plus d'attaque qui... J'ai plus aéropique sur Bouba, ça aurait été bien. Comme ça, l'Iput aurait pas été chiant. En plus, elle fait riposte. Mais c'est pas grave qu'elle fasse riposte parce que... Ah oui, d'accord. Et elle a résisté juste parce qu'il y avait encore protection, j'avais totalement oublié. Donc si Zoxé arrive à ne pas rater son attaque, voilà, normalement ça devrait la mettre KO en un coup. Voilà. Combien d'expérience? 2500 points d'expérience. Et il monte niveau 32. Et j'espère que je vais pas oublier d'updater le layout, ce qui arrive une fois sur deux. Est-ce qu'il apprend quelque chose niveau 32? Oui! Dansefleur, au revoir! Trancherbe, je sais. Dansefleur, c'est très dangereux parce que ça.
ça laisse bloquer. Mais comme je suis en mode choix, je peux switcher. Je peux switcher si jamais si je mets un Pokémon KO, donc ça va. Et je veux dire, c'est tellement plus puissant et c'est tellement spécial que si jamais j'ai Giga Sensu, je remplacerai peut-être Giga placerai peut-être Dansefleur par Giga Sensu, mais en général non quoi. Pas trop cher. Bon, niveau 32, c'est très bien. Donc désormais, Felidia est la seule qui a vraiment besoin de l'Evolurock dans l'équipe, donc elle peut la garder. Voilà, 55 d'attaque contre 77 de défense d'attaque spéciale, ça fait quand même un ratio de 1,4, c'est pas mal. Hein. Vitesse 62, ouais, bon, enfin, oui. On s'en fout. Par contre, attaque spéciale 77. Attaque spéciale 77, voilà, c'est magnifique, c'est inespéré. Et en plus, dans Slur, c'est hyper puissant. Donc... magnifique. En plus, j'aime beaucoup Florida. Alors, Felidia, normalement, elle devrait bien s'amuser ici parce qu'elle a un boost de défense P permanent grâce à la tempête de sable. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Oh, il va me montrer la dureté du désert. Ouais, la dureté, ça le fait pas. Ok, bon, c'est un Fampi, donc non, peut-être pas en fait. Mais je sais pas, t'es un Pokémon Ranger dans le désert, d'habitude ils ont des Pokémon feu. J'espère que je voulais que tu aies un Pokémon feu en fait. Là, je sais pas, je mets qui en fait. Parce que j'ai pas envie de laisser Felidia, elle fait face au type sol. Henry, elle fait face au type sol. Naizen n'a pas vraiment envie de se prendre des attaques physiques. Et Sunrise, en fait, elle s'en fout des attaques physiques. C'est juste que si le Fampi a ampleur, elle peut pas faire tunnel. Ou alors, il pourrait avoir canon graine aussi. Et faire absolument zéro dégâts. Bon, s'il a ampleur, tant pis pour ma vie. Hein. Il vient quand même de faire 160 de puissance et faire seulement 16 PV. Donc... ah ah, ma vie griffe qui ne sert à rien m'a laissé agir en premier. J'ai fait basiquement 3 fois plus de dégâts avec tunnel que je m'aurais fait avec Plaicroix. Donc je vais faire Plaicroix parce que je pense que ça le met KO. La vie griffe qui sert à rien. Hop là, au revoir Fampi. Neuf. Je reste parce qu'un 9 c'est lent. Et parce que j'ai un truc qui s'appelle Plaicroix. Et une vie griffe. Donc ça se trouve, je l'ai outspeedé même pas, mais je viens juste de le out-RNG. C'est bien de faire des attaques insectes sur des 9. C'est très réjouissant. Un Donphan par contre, c'est un peu plus ennuyant. Donc on va tester cette magnifique Dansefleur qui est à 120 de puissance, mais qui est stabé et boosté par le Grain Miracle. Ce qui fait que c'est 216 de puissance, et puis c'est super efficace, donc c'est 432. Et il a éclat glace, c'est pas grave, ça devrait pas faire trop de dégâts parce que éclat glace est seulement 42 de puissance. Ok, ça va, ça a pas fait trop de dégâts. C'est bien, c'est 80 de puissance, ça m'a fait 20 PV, c'est facile à voir combien de... oh, le Donphan en fermeté, je ne pensais pas que ça allait être le cas, c'est pas grave. Un deuxième éclat glace, ça ne devrait pas être inquiétant. Et boum! Bon, Dansefleur. Bon, c'était pas génial comme premier combat avec Dansefleur, mais c'est à cause de fermeté. On ne peut pas en vouloir à Zog. Eh, c'était Jaden! Jaden Yuki de Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde! Mieux vaut pour toi que tu aies une défrève! Bon. Ouh, poussière d'étoile. C'est la première galaxie de la salle de bain dans Super Mario Galaxy. Et oui, je trouve toujours que s'appeler cet endroit la salle de bain est super con. Je sais pas pourquoi moi je l'appelais la fontaine quand j'étais petit, je trouvais que ça ressemblait plus à une fontaine qu'une salle de bain. Parce que bon, pour te laver dans 20 cm 12, mais. Alors oui, des repousses, j'aurais peut-être pu en racheter, mais j'en ai. Il me semblait avoir acheté des super repousses. Oui, j'ai dit. Mais non, apparemment non. C'est pas grave. Hop, je vais aller
fouiller pour encore plus de dresseurs. Oh, un tesson vert. Bon, je pense que le move tutor de des tessons verts est après la ligue, donc c'est peut-être pas intéressant. Oui, il est à Maillard, il me semble. Le rouge est à Port-Yonneuf, le bleu est et à Arpentière, le jaune est à Papeloa et le vert est à Maillard. Je vais juste mettre Dancing Machine pour avoir une chance à capter. Pour avoir une chance à une chance de récupérer des objets cachés, parce qu'il me semble il y a peut-être un super bonbon quelque part. Whistikram, est-ce qu'il va me sortir les trois stateurs de Sinnoh? Ce serait chouette. Pourquoi pas. Ah, ça, Whistikram, normalement, je devrais pas avoir trop peur. Même s'il a une attaque combat, ça devrait aller. Puis bon, faut pas oublier que Felicia, elle a des défenses magnifiques. Elle a sa défense multipliée par 1,5 et elle a sa défense spéciale multipliée par 2,25. Donc, parce que lave tempête ça plus les Volurok. Ampleur 10. Vas-y, fais-moi une ampleur 10. Roue de feu, je m'en fous de la roue de feu, c'est physique en plus. Ouh, j'ai peur, voilà. Non, non, ça c'est ampleur 5. J'ai dit ampleur 10. Bon, ok, ça le met KO quand même, mais. Ah non, il ne se met pas les starters de Sinnoh, par contre, c'est Laporeille, donc c'est un Pokémon qui vient de Sinnoh aussi. Laporeille qui a pied sauté, donc non. Voilà. Je vais pas laisser Flitia. Même si ce serait très marrant que le Laporeille rate son attaque et s'écrase au sol. Et je mets Henri parce qu'on l'a pas vraiment encore vu. Et en plus, il a contre si jamais ses PV deviennent bas. Ouh, vive attaque. Ouh, attention. Ouh, oui, bon, d'accord. Ça a quand même fait 22 de dégâts, quoi. Le Laporeille a fait, avec un côté, qui a fait autant de presque autant de dégâts à Henri qu'un Donphan a fait avec Éclaglace à Montflorizard, quoi. Pour remettre les choses dans leur contexte. Je pense que je vais mettre Sunrise contre Machoke. Parce que Sunrise a une bonne défense. Faut pas l'oublier, elle a une bonne défense. En plus, Machoke est assez lent, donc je pense que je pourrais faire tunnel avant. De toute façon, la Vivigriffe arrête pas de s'activer. Ah, Vendetta. Oui, ce qui aurait fait quand même pas mal de dégâts, parce que c'est 120 de puissance quand ça attaque après. Et enfin, ça attaque tout. Ça attaque toujours après, et si il a été attaqué, c'est 120 de puissance là. Donc je sais pas si ça se serait mis à 120 ou pas. Mais bon, limite on s'en fout, parce que j'aurais pas pu me faire toucher. Mais... Oh, bonjour. J'ai peut-être marché un peu trop vite là, mais c'est pas grave. Ouais, laissons nos Pokémon jouer dans ce désert qui n'est pas du tout dangereux. C'est juste comme un bac à sable géant. Oui, un bac à sable géant avec des tempêtes de sable qui peuvent te tuer, mais oui. Comme ça. Cacnea. Alors, voilà pourquoi j'ai été trop vite. C'est parce que j'aurais bien aimé me soigner entre les combats. Parce que là, par exemple, je mettrais bien Henri, mais il a plus que 71 PV sur 99. Alors, c'est pas grave. Parce que c'est encore 71 PV, mais quand même. Maintenant quand on envoie un Arcanin, ça fait... Bon, Vampigraine, c'est un peu énervant, mais... Normalement, un Crofeu, ça devrait suffire, non? Non? Voilà. Dans la vie, il y a des Cacnéas! Et il y a aussi des Marakashi que je ne vais pas utiliser en risque cette fois-ci, parce que... Est-ce que j'utilise Dyson? Non, parce que les Marakashi ont point d'arbre et c'est physique et ça fait mal. Je le sais puisque j'ai attrapé un Marakashi dans l'épisode précédent. J'aime beaucoup trop Marakashi, je sais pas pourquoi. J'adore ce Pokémon. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'ai utilisé deux fois en fait. Une fois dans ma version noire, la première fois de ma vie où j'ai joué à Pokémon avec une vraie équipe, qui n'était pas le marathon. Qui était une run de noir. Justement, je jouais comme ça pour essayer de voir si le marathon ça allait être bien. Et après, bah, dans Voltoid. Ok, il y avait une pierre feu ici en fait. Bon, ok. D'accord. J'aurais bien voulu savoir, comme ça j'aurais pu éventuellement avoir une autre pierre d'évolution. De la part du top dresseur de Snowstar. C'est très le sniff. Ce sont des choses qui arrivent.
Ah, j'ai pas remis la, les, re, les, des, la repousse. Les repousses. Bonjour Krabicoc. Krabarak, c'est un Pokémon que j'ai très peu utilisé aussi. J'ai utilisé une fois dans un Nuzlocke, mais vers la fin. Vraiment à la fin. Mais c'est, le peu que j'ai utilisé, c'était bien. Je veux dire, il était là pour défoncer Persila, et c'est ce qu'il a fait. Vas-y. Là, je vais aller rejoindre l'infirmière. Là. Bon, est-ce que... Ouais, niveau 30 toujours. Bonjour. Ouais, comme t'as dit. Oui, je pense que j'ai déjà récupéré le sable volant. Le sable volant. Le sable doux de... De cette personne plus haut. Qui dit que... D'ailleurs, c'est la seule, seulement la deuxième fois qu'on... Qu'on lui adresse la parole. Parce que la première fois, c'était en noir et blanc. Hein. Bullrock, allez. Pourquoi pas. Donc, je suis en train de me dire que ce truc a peut-être éventuellement Balgren et que ce serait... Très mauvaise chose, mais c'est pas grave parce qu'il est mort. Enfin, il est pas mort, les gars. Ouh, 477 points d'ex. Ce serait un beau même si on se jouait à Hearthstone, mais je ne joue pas à Hearthstone. Enfin, si je joue à Hearthstone, mais pas maintenant, je veux dire, pas actuellement. Mais si je joue à Hearthstone, c'est pour ça que je sais que ça pourrait être que c'est un même. 477, oui, alors destruction, non, en fait. Parce que je suis dans un Nuzlocke quand même. Ponyta. Je reste. Comme ma question pour un champion, je reste. Double pied. Oui, ok, je l'avais pas vu venir, mais en même temps, j'avais vu venir le fait que ça allait pas faire beaucoup de dégâts. Ampleur 7, c'est classique, c'est la moyenne. C'est un Ponyta tombé KO. Voilà, là, c'est de ça que je parlais, les Pokémon feu dans... Les Pokémon feu des Pokémon Rangers dans le désert de la sang. C'est de ça que je voulais parler, cette personne le comprend. Je suis heureux. Bonjour Ferrisson. C'est triste. Maintenant quand je joue un Ferrisson, c'est triste parce que j'ai fait un Nuzlocke sur Soul Silver. Et j'avais pris Hérisson parce que j'avais déjà pris les deux autres dans d'autres Nuzlocke. Et puis mon Ferrisson est niveau 35, donc à un niveau d'évolué, puis il est mort parce que explosion. Non, je pense que c'était destruction, mais destruction coup critique. J'ai deux morts dans ce Nuzlocke là actuel. C'est les deux, c'est explosion ou destruction coup critique. Même si ça m'étonnerait que le coup critique ait eu de l'importance sur Ferrisson. Mais sur le Grolem, ça a eu de l'importance, la coup critique de l'explosion. Enfin bref. Bon, Dyson n'a pas encore vraiment pu faire ses preuves cet épisode, donc. Il serait peut-être temps. Une Ekaiker. Très très bien. Je pourrais avoir ça pour le Down Challenge. Bon, normalement, quand vous voyez ça, le Down Challenge, j'ai fini depuis longtemps. Mais. On ne sait jamais. Parce que il me faudrait, pour le Down Challenge, actuellement, il faudrait au moins une Ekaiker. Alors, un Kinesis, souvent, ils ont des Pokémon qui attaquent sur le. Des Pokémon spéciaux. Donc, Dyson sera bien équipé contre eux. Bon, alors, oui, il a toujours Gloutonnerie comme carte spéciale. Ce qui est absolument nul. J'aurais préféré 24 fois avoir Isogress au vaccin. Mais bon, ce sont les choses qui arrivent. Et ceci est un Corillon. Et je viens de remarquer que les kinésistes, les femmes kinésistes dans ce jeu ont la même coupe de cheveux que la... Presque. Enfin... Ça me fait penser à... c'est quoi ça? C'est... Ah oui, c'est tendance. Bon, bah j'ai lévitation. Maintenant, vous pouvez vous imaginer un Ronflex comme ça qui est en train de léviter. Les kinésistes ici ont l'air d'avoir la même coupe de cheveux que la... Le personnage jouable de Soleil et Lune, enfin la fille dans Soleil et Lune. Je vais mettre Henri contre un Balbuto parce que Balbuto ça peut exploser. Et pourquoi j'ai mis Henri en fait? Parce que dans ma tête il a intimidation, sauf qu'il a pas intimidation. C'est pas grave, je vais mettre Booba comme ça s'il fait une attaque sol. Lui il a intimidation. Et s'il fait une attaque sol, bah il me touche pas. Et s'il fait explosion, bah il y a intimidation qui est passée. Et on est dans la 5G, donc explosion et destruction ne divisent plus la.
la défense par deux. Ok, donc il a switché son attaque et sa défense, ce qui est pas mal pour moi. Parce que il a probablement plus de défense que d'attaque en temps normal. Ah, pouvoir antique. Ok, ça aurait été super efficace. Meurs, s'il te plaît. Merci. C'est ce qui se passe quand vous faites Astuce Force et que vous avez une attaque de merde. Vous vous retrouvez avec une défense de merde. Et ceci est un Neoku. Bon, pas ceci. Ça, c'est un gros flex. Mais ça, c'est un Neoku. C'est niveau 27. Et ça monte. Haha, je vais faire ronflement. Tu aurais été eu. Non, en vrai, je vais pas faire ronflement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai juste cette attaque parce que le reste, les autres attaques que j'avais étaient encore plus nazes que ronflement. En plus, j'ai 4 réveils. Je sais pas d'où ils sortent, mais j'ai 4 réveils. Donc... Vague Psy, avec tous les PV que Dyson a, ça devrait pas être un problème. Ça fait quand même pas mal. Vague Psy, ça peut faire entre... comme il est niveau 27, ça peut faire entre 14 et 41 PV. Et ça peut pas faire de coup critique. Donc, aha, rect. Ceci s'appelle une notification Discord parce que j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger sur Discord parce que j'ai pas l'habitude de me mettre en ne pas déranger sur Discord parce qu'avant il y avait que Jagger et moi et que comme il me voyait en ne pas déranger sur Skype qu'on utilisait en même temps il me parlait pas mais là j'ai comme on a ouvert le Discord et bien il y a des gens qui parlent dans le Discord c'est presque un rêve et donc c'est une notification Discord et donc ça me permet de aha boum. On a un Discord avec Jagger si vous voulez venir. Bon, normalement, vous le savez déjà parce que cette vidéo sort genre le 20 000 juillet. Mais voilà. Et donc, je vais faire ça. Je veux dire, je peux montrer Discord, pas comme Skype. Je peux montrer Discord. Je peux même vous montrer le lien pour venir. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est magnifique. Et vous pouvez nous rejoindre si vous n'avez pas déjà rejoint. En espérant que le Discord existe toujours quand cette vidéo sortira. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Est-ce que j'ai battu cette personne? Je ne me souviens déjà plus. J'ai utilisé une limonade pour être sûr. Bonjour. Ok. Ah, chouette. Une mission pour le Highlink. Magnifique. Je pense que personne n'a jamais fait de mission pour le Highlink dans sa vie. Donc... Je pense que lui, j'ai déjà battu sans faire exprès. Voilà. Oui, quand j'ai essayé de refaire tout ce qu'il fallait pour l'épisode 11. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de dresseur en fait ici. Est-ce qu'il me manque des dresseurs? Est-ce que j'ai fini le désert des lassins? Il est possible que j'ai fini le désert des lassins, ce qui est une bonne chose. Je vais me soigner et on va pouvoir faire le reste. Route 5 et route 16. Et je me dis que... Enfin, je vais être quand même un peu underlevel pour Inizia. Faudra que je montre. On verra bien. Parce que je me disais que ce serait peut-être suffisant, mais... Il y a encore pas mal de dresseurs qui arrivent, mais... Enfin, être underlevel de... Est-ce que j'ai battu lui? Mais... Oui, je l'ai battu parce que sinon il m'aurait remarqué. Je vais revenir encore en arrière. Voilà. Bon, je sais pas ce que tu fous ici parce que t'es riche. Normalement, tu devrais être en train d'être dégoûté qu'il y ait du sang sur ton... Du sang. Du sable sur ton costume. Linéon. Bien. D'accord. Foutu tempête de sable. Lance-boue. Lance-boue, bah oui, parce que forcément le ronflex en face il allait te faire tonnerre. Même Electacle, je parie. Luxio, voilà, bravo, tu viens d'affaiblir ton propre Pokémon. 10 sur 10. Alors, est-ce que ce Luxio a intimidation? Non! Ça veut dire qu'il a rivalité, à moins que Traiano ait changé les capacités spéciales de Luxio, lui ait mis statique.
ce qui est une ce qui me semble familier, ce qui veut dire qu'il y a un hack où j'ai joué où Luxio avait statique. Mais on ne le saura peut-être jamais. Enfin, il suffit que j'aille regarder pour le savoir. Mais en plus, s'il avait rivalité, ça veut dire qu'il faisait moins de dégâts sur Phénicia. C'était pas plus mal. Alors elle, c'est bien parce que je vais jamais les combattre parce que c'est un combat duo et qu'elles peuvent aller se faire voir. Voilà. Ça c'est dit. Bonjour, je prends l'objet. C'est encore poussière d'étoile. Bon, ça me fait un peu d'argent, je vais pas me plaindre. Ce qui est, en tout cas, c'est si jamais vous avez un truc à acheter, par, enfin, un Pokémon dont vous voulez faire monter le bonheur dans le jeu, allez à Velocité, acheter des baies, c'est 20 Pokédollars la baie, ça va super vite. Enfin, ça va super vite parce que j'avais une Luxball et un Grelosen, mais vous voyez ce que je veux dire. Léopardus! Mais je vais rien dire sur Léopardus parce que ça se trouve il est buffé hein. Je pense que j'avais regardé s'il était buffé ou pas Léopardus. Mais dans Voltoise et Blaze Black. Tourmente, c'est pas grave, comme j'avais pas fait d'attaque à la base, je vais pouvoir faire retour. Maintenant c'est vrai que si je le mets pas KO c'est un peu chiant parce que c'est ma seule attaque offensive, mais il faut évidemment que je le mets KO. C'est un Léopardus quand même. Et c'est surtout. C'est même plus que c'est un Léopardus, c'est un Ronflex qui fait retour stabé à Bonheur Max. Voilà. Et pauvre Henri qui est toujours niveau 30, il va pouvoir se défouler sur le Lianaja qui arrive. Je me présente, je m'appelle Henri, je suis un arcanin, je fais croc-feu sur les Lianaja. Je trouve pas de rime en A. Un Delcati qui est probablement une femelle parce que c'est comme ça que les Delcati existent. Enfin non, mais les Delcati sont 75% femelles, 25% mâles il me semble. Et comme je combats une fille, même si c'était 50-50, normalement c'est un Delcati femelle, voilà. Je pense que Traiano respecte cette règle. Qui est parfois... qui est dans certains cas... pas suivi hein, mais c'est en général c'est il y a quelques exceptions, mais c'est la règle générale de comment de savoir si un Pokémon sera mâle ou femelle. C'est le sexe qui est le plus fréquent, et si c'est 50-50 c'est le même que le dresseur. Maintenant bon, parce que bon, c'est bien parce que dans Pokémon ils ont pas rajouté de troisième possibilité. Ampleur 8, je pense que le Delcati va le sentir passer, voilà. En plus, c'est bien de mettre des femelles aussi contre le Delcati. Enfin, c'est bien de mettre des femelles contre le Delcati, parce qu'à cause d'éventuellement attraction ou joli sourire ou choses ainsi. Pardon. Voilà. Hyper potion. Ok. Moi, je prends le peu qu'on me donne. C'est vrai qu'il y a des maisons ici. Et est-ce que vous donnez des trucs? Ok, d'accord. 122, non, pas encore. Voilà. Et donc en fait, elle parle de vitesse, mais elle va jamais vous demander quoi que ce soit parce qu'elle vous demande des trucs de vitesse dans Noir 2 ou Blaze Black 2. Et lui, dans Blaze Black 2, il sert à rien. Mais je sais plus du tout ce qu'il vous donne si vous remplissez les critères. Bonjour. Je viens te prendre ta poudre claire, l'objet du axe par excellence. Ah ah, mais si j'avais un rapion, j'aurais peut-être dit oui, comme ça m'aurait donné un Covenant Orb pour faire évoluer Felidia, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de rapion. Et ce nodulite fait greu. Ouais, je le savais. Non, mais au cas où il y ait des gens qui me donnent quelque chose. Ah ah! Et son verre, encore une fois, c'est mon utile à Maya. Donc, je vais devoir quand même faire un peu d'aftergame dans cette run, donc ça peut être bien. Normalement, j'aurais pas à faire énormément de combats. Encore une poussière d'étoile. Parce que, une fois que j'ai fait la ligue,
c'est techniquement, je veux dire, j'ai les légendaires à tuer, donc il faudra que je fasse les combats, mais je m'entraînerai pas vraiment. Et on peut se soigner ici, j'avais totalement oublié que ça existait, mais je ne vais absolument pas me plaindre. Il reste 7 randonneuses à battre. Bon, bah niveau 30 pour Dyson, donc il reste là. Bonjour! Eh ben, mes Pokémon, mon équipe de Pokémon est sur le layout, t'as qu'à regarder le layout. J'ai pas envie de la répéter. Ceci est un oups. Niveau 24. C'est ça quand vous, ce qui est bien quand vous vous entraînez et puis que vous vous battraquez, c'est que vous avez un niveau tellement super à tout. En même temps, ça me ferait un peu chier d'avoir des Pokémon qui meurent contre des dresseurs random, entre guillemets, dans un Nuzlocke. Ouais. Et encore plus ici dans Final Curse, parce que bon, j'ai beaucoup de morts dans les combats importants, donc j'ai pas beaucoup de place, enfin j'ai pas beaucoup de Pokémon en réserve, donc en perdre bêtement contre des Venipat qui font poursuite, par exemple, c'est pas énorme. Ou contre des Porygon 2 qui captent un freaking voile sable. Enfin bref. Ok. Bon ben je pense que c'en est tout pour la route 4. Hein. Sans compter les jumelles, mais on s'en fout des jumelles. Ah, il y a un objet là, ce n'en est pas tout de la route 4. Est-ce que j'ai encore un repousse? Un dernier repousse. Allez, le dernier repousse. Je m'en fous, hein, de toute façon je reviens à Méonville et je m'achète des trucs. Là c'était 28. Tunnel. Par curiosité, qui peut apprendre tunnel? Qu'est-ce que je fous avec la CT Oh. Tunnel c'est bien, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de l'apprendre, mais... Qu'est-ce que je fous avec Pitisol? Moi je me souviens pas avoir reçu Pitisol, il donne quoi Bardan? Je vais retourner à Méonville et bon, ben, je vais arrêter l'épisode là. Au début, je voulais tout faire, je voulais faire route 5 et route 16 en même temps. Mais je me dis que comme on est déjà à 42 minutes, là, ce serait peut-être un peu beaucoup. Donc je vais sûrement séparer en deux. J'aime bien la musique de la galerie. Et... Voyons un peu, je me souviens qu'il vend les CT, mais je sais plus qu'est-ce qu'il vend. Ah oui, d'accord, ouais. Okay, d'accord, salut. Bonjour, je vais acheter des super repousses, comme ça j'y pense. Je vais en acheter 36, non, je vais en acheter 10, c'est déjà assez. Et je vais aller récupérer mes médailles. Hein. Bonjour. Nouvelle médaille. Ouh, Dowsing Beginner. Ça c'est sûrement parce que j'ai trouvé quelques objets grâce aux objets cassés. Mais sur ce, je vais arrêter l'épisode ici. Il est assez long. J'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, j'invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 13 de Final Curse.